côtoie la copropriété en toute simplicité. La copropriété c'est quoi, au juste? Comme des milliers de Français, vous accédez ou allez accéder à la propriété cette année? Ah. Être propriétaire. Le rêve. Un vrai chez soi bien à soi, qu'on peut aménager comme on veut, tranquille, chez soi. Seul. Enfin, seul? Et pas tout à fait. En effet, si vous achetez un appartement ou une maison dans un lotissement, il y a des chances que vous ne soyez pas propriétaire, mais copropriétaire. Comme 25 millions de Français, en effet, vous achetez peut-être en copropriété. Vous achetez un appartement dans un immeuble, avec d'autres appartements, avec d'autres copropriétaires, des parties communes de l'immeuble. Bref, vous intégrez une communauté, le syndicat de copropriété. Une communauté qui a ses règles et au sein de laquelle, en tant que copropriétaire, vous avez des droits et des devoirs. Dans la copropriété, l'appartement que vous achetez constitue un lot. C'est une part de l'ensemble. C'est à votre lot que sont attachés vos droits et vos devoirs. Le droit de voter à l'Assemblée générale des copropriétaires. Le devoir de payer pour l'entretien, la gestion et les travaux dans l'immeuble, les charges de copropriété aux professionnels qui gèrent l'immeuble, le syndic les lots, les parties communes, les règles à respecter concernant le bruit et la propreté de la résidence, le paiement des prestataires intervenant sur l'immeuble, toutes ces règles de vie commune de la copropriété s'appliquent aux habitants, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Elles sont consignées dans le règlement de copropriété, qui s'applique à chaque occupant et qui est remis à chaque nouveau propriétaire. Le règlement de copropriété peut être complété d'un règlement intérieur pour préciser les règles de vie au sein de l'immeuble et qui peut être mis à jour régulièrement. Bref, la copropriété, c'est un univers en soi dans lequel tous les habitants d'un habitat collectif vivent ensemble, selon des règles communes, au service de la bonne gestion de l'immeuble et donc de votre qualité de vie. Une vie de copropriétaire